Bienvenue YouTube, comment vas-tu? On était en train de récapituler justement ce qu'on avait fait. Parce que entre deux VOD, je joue un peu avec mon pote. On a continué de faire ces plaines. Magnifique! On s'est fait tous les villages. Et d'ailleurs, ici, j'ai remarqué que je pourrais faire ma base. Ici, dans ce petit endroit. Voilà, future base, elle va peut-être se situer là. J'ai trouvé l'endroit en faisant le tour de du continent avec lui. Donc, du coup, je me suis arrêté ici parce qu'on jouait à deux. Quand c'est déco, il fallait qu'il soit sur la terre ferme. Et moi, je vais reprendre la route en bateau jusqu'ici pour aller faire cette petite montagne. On va aller chercher le plus possible d'argent, puisque regardez. Au final, je commence à ramener pas mal de choses. Donc, je suis assez content du résultat. Donc, il me reste encore un peu de nourriture. J'ai pas mal de stuff, hein, c'est assez cool. Donc voilà, on est parti aujourd'hui sur Valheim pour une petite heure, là, une première petite heure de préparatif et d'exploration. Bon, on va aller vers la montagne. Enfin, préparatif, on va même essayer d'aller chercher carrément le... Le son du jeu est très fort, hein, je vais jamais y arriver. Hein. Tous mes réglages ont sauté à cause d'une mise à jour, donc il faudra tout que je re-règle à partir de Scrap Mécanique qui a le son très bas. Donc, voilà, normalement le son devrait être un peu moins fort. Donc voilà, on va repartir pendant cette heure là faire la montagne, et une fois qu'on aura fait la montagne ce soir, on va revenir ici à notre base. Et une fois qu'on sera revenu à notre base, on va prendre de quoi fabriquer un portail, revenir ici en portail, mettre un portail là, et on aura notre portail définitif de notre base finale où on pourra commencer les allers-retours. Donc ça y est les amis, ça va progresser. Et pendant les prochaines sessions, je pense qu'on va faire beaucoup de... Si tu dois bouger le son, on verra dans les scènes d'action. Ouais, non, mais si le son du ressac est un peu fort, on va rester, on va baisser. On va baisser là sur le stream. Moi aussi, je l'entends fort dans mes oreilles, ce qui est pas normal. Il faut pas que ça soit trop bas, hein, parce que ma voix est très forte. Si le son du jeu est trop bas, vous avez pu m'entendre. Donc voilà, direction la montagne, en espérant pas mourir. Et les plaines, on les a bien farmées déjà. On a tué un bon petit paquet de mobs. Il faut que je change le nom du stream. J'ai deux géants qui ont attaqué ma base, j'étais pas du tout prêt. J'avais pas de stamina, j'avais pas de vie, j'avais rien, ils m'ont bousillé toute la partie où il y a les abeilles. Donc ça tombe bien qu'on déménage bientôt. Salut petit Clem. Ah cool. Ah Satisfactory, un bon jeu. Et en plus maintenant avec tout ce qu'il y a, moi je m'étais arrêté au tiers, j'ai jamais vu les trains ni rien. Hein. Ni les tuyaux, encore moins. Je me suis arrêté avant les trains. Donc. Et ça va, tranquille. Petite session crossroad bien sympa. Petit build 4 de la route. Ça fait plaisir. Là, on démarre, on a le vent dans les fesses, il fait beau. Que demande le peuple? Faudrait que je m'arrête un jour là, non? Attendez, mais là c'est des prairies, c'est encore mieux. Ok, je vais essayer de faire demi-tour. C'est mal engagé. C'est pas si pire. Allez, on prend le temps de bien s'arrêter. Les tuyaux, là, les tuyaux. Mais tout est bien foutu dans Satisfactory, il est sympa. Hein. Il y a beaucoup de features qui rendent le jeu bien sympa. Allez, allez Jean-Michel, c'est quand tu veux. Ouais, ça va pas le faire, ça va pas le faire comme ça. Va ramer. Va ramer. On va pas ramer. Va ramer ou on va pas ramer? Ça passe, ça passe. Oui, mais là, pourquoi il y a trois cailloux ici? Allez, non, mais on va pas.
Bon, je suis échoué, c'est ça? Allez, donne tout. Donne tout maintenant. Ah, je suis poussé contre le mur, c'est horrible. Non mais c'est pas le moment là. Si tu veux, c'est... Patience, Juanito, patience. C'est bien fait. Ok. On y est. Il fait nuit, super. On va manger, on va faire gaffe à notre vie quand même. Parce qu'on a des choses à poser. Il nous reste un peu de flèches, pas tant, pas beaucoup, que dalle même. Ah ouais. Ah ça va être chiant si j'ai pas de flèches. À moins que je farme un peu de bois et que je me fasse des flèches en bois. Je pense qu'on va faire ça, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix mes Wunden. On va s'en sortir. Faut juste que je fasse un petit toit. Non mais... Non mais je vais crever. Et... J'ai pas de stamina, j'ai pas de stamina. Mais bon, ça va, ils font pas trop mal. Yes, ça va pas commencer comme ça quand même, hein. Laissez-moi jouer au jeu un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, on va attendre d'avoir de la stamina. Comme je suis pas fan de Valheim, je vais bouger un peu à Crossout. Je reviens plus tard, sinon demain matin, en espérant que tu sois à l'heure. Ouais, eh bien, bien le bonsoir, mon cher Cédric. Merci d'être resté. Je te souhaite une bonne soirée. Et malheureusement, ces mises à jour qui m'ont tout foiré au moment de démarrer le live, j'espère que demain, tout sera bien réglé. À demain matin, des bisous, profite bien. J'ai froid ou quoi? Comment ça se fait que ma stamina remonte aussi doucement? Normalement ça devrait pas remonter aussi doucement. Heureusement que je suis dans la prairie. Bon. Bonne soirée. Alors on va se faire chier évidemment.
Eh ben... Le max d'ennemis, quoi. Bon, en même temps, c'est la nuit, c'est normal. Pourquoi j'ai aussi peu de stamina? C'est parce qu'il fait nuit, je comprends pas. C'est horrible. C'est insupportable que ça remonte aussi doucement, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il fait nuit. Je sais pas. Je sais pas vous le dire. J'ai pas froid. Si, j'ai froid, ça y est, je suis humide. Là, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est parti. Il y a un squelette qui est venu. Et il y a un squelette qui est reparti. Voilà. Il y a un squelette qui revient. Il y a un squelette qui est reparti. Est-ce qu'on va construire ça un jour ou est-ce qu'on va mettre 1000 ans? Donc ça, c'est nouveau, ça. Maintenant, il y a des squelettes, en fait. Ok. Pas de problème. Enfer. Heureusement que je suis dans une prairie, je vous le dis. J'ai peut-être gardé ça en fait. J'ai peut-être gardé... Alors je vais jeter ça, je vais jeter ça. Je vais jeter ça. Ça aussi j'aimerais bien les garder. Je vais jeter ça. Voilà. Les plumes, ça, tout ça, je dois avoir dans le bateau. Yes. Alors les cailloux, je sais pas si je vais beaucoup mettre ça là-dedans, mais bon, pour l'instant on peut les garder. Ok. En plus il va faire jour. J'ai rangé tout le bois, bien évidemment. Avec quelques flèches on sera mieux. C'est parti. Je suis à 88 de poids. Let's go. Ah, par contre, faut que je trouve de l'argent. Donc, faut que je garde ça. Ok. Yes, c'est parti.
Alors évidemment, il faut pas qu'on... Il faut qu'on soit sec, sinon on va avoir froid. Il faut qu'il y ait de... Je sais pas s'il va y avoir de la glace. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas s'il va y avoir de l'argent. Ça m'a l'air assez petit comme endroit. Qu'est-ce que ce serait bien qu'il y ait un petit dépôt d'argent? Tout tranquille là où il n'y a personne, qu'on peut fermer tranquille. S'il vous plaît! Allez, résonne, vibre, fais quelque chose. Mais non, c'est trop petit, malheureusement. Non, mais moi, j'ai que des montagnes comme ça, partout où je suis allé, quoi. Regardez, là, il n'y avait rien. Argent? Ah oui, non, mais là, c'est la montagne où j'ai trouvé, justement. Là, il n'y avait rien. Dans laquelle là il y avait rien, c'est toutes les premières que j'ai faites. Là il y avait rien, pas d'argent. Là il y avait pas d'argent. Là il y avait pas d'argent. Et là il y a de l'argent. Mais c'est assez super loin. Allez, je vais manger et me reposer. Ok, ça roule, mec. Bonne soirée à toi. Merci encore pour le host et bon appétit. À bientôt. Ouais, mais c'est mort. On est venu pour rien. On a fait tout ça pour rien. Super. C'est pas grave, on va reprendre le bois. Par contre, faut absolument que je trouve de l'argent. Pour améliorer le stuff, j'en ai besoin. Au moins l'arc. Je pourrais aussi ramener un peu de cuivre. Tant qu'on est là. Ouais les gars, faut que je mine. Il me faut de la ressource. Et le cuivre, ça va aussi encore un peu nous servir, il me semble, pour faire un ou deux trucs. Par contre, je suis très étonné que la stamina remonte aussi doucement. Alors on en profite vu qu'on est juste à côté du bateau. Stamina. Je ne suis pas là, je ne suis pas là.
Ok. Bon, on va s'occuper de ça. J'ai compris. On y va. Sérieux? Oh là 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 là. Yes. Il me tape à chaque fois que je tape. Il fait ça en même temps. Il fait exprès. Eh ben, qu'est-ce qu'on se fait emmerder ? Ok, reprenons. Au moins, on aura trouvé un peu de cuivre sur la route, c'est mieux que zéro, quoi. Même si l'aluminium... Il va falloir que je trouve une montagne et que je mette un portail... Et... Mais non, même pas. Il va falloir que je me tape un voyage, que je découvre de la carte, hein, et que je me trouve une nouvelle montagne. Pas le choix. Pas le choix. Et donc, il faudra mettre un portail, au final. Erreur 404. On va pas faire un aller-retour au bateau, on se barre. Hein. C'est pour ça que là je creuse pas dans le sol, même si on a plein bien plus. Encore un.
Oh, je viendrai bien chercher les cailloux quand même. Je vais venir chercher les cailloux parce qu'on va en avoir besoin pour la construction. Vu que là, il y a quand même plein de stuff. Donc on a miné ici et c'est là où j'ai jeté tous les cailloux. Allez, on fait ça et on se casse. Oh, ma stamina. Pourquoi? Je pense que c'est parce que je suis pas reposé. Alors, qu'est-ce qui est léger ? Par contre, j'ai plus de place là. Et là, je suis à combien ? 108. Donc, je peux ramener quand même pas mal de cailloux. Alors, qu'est-ce qui est lourd ? Que je la garde et là qu'est-ce qui est pas lourd, alors combien ça pèse ça, 4, ça pèse 0,5, ça pèse aussi 4, ça pèse 8, ok, combien ça pèse ça, 6,5, Ok, ça me laisse quelques slots. On est à 95 sur 450. Parfait, let's go. On finit ça vite. Et on décale. On décale, les amis, on décale. Ah, mais attendez, c'est encore. Il y en a plein ici encore. Déjà, si on va chercher les cailloux, ce sera pas mal. Ça sera toujours ça de prix. Petit farming supplémentaire, ça fait pas de mal. Alors, c'est où qu'on a miné ? Putain, j'aimerais bien reprendre tout ça. Faut juste que je trouve où est-ce qu'on a miné. Attendez. On est d'accord que... Ah non, c'est par là. Yes! On est là. Moi, j'ai jeté tous les cailloux. Bon, il y a un stack et demi. Il y avait un stack et demi. Parfait. J'aurais bien repris le bois aussi, quand même. Qu'est-ce que je pourrais tâcher? Je pourrais manger la soupe de carottes? Pas encore. Bon, il n'y a pas des trucs forcément trop intéressants. Salut, Moonroxor. Cool. Bonne nouvelle. Bon courage à toi. Bien du courage. Une minute. Camille, une semaine de taf. Heureusement que t'es pas youtubeur, toi. Après, la qualité sera au rendez-vous, j'imagine.
Bon, après, j'imagine que tu fais pas de ça que ta vie, tu fais ça le soir tranquille en faisant autre chose à côté. Eh bien, il faut bien que ça reste un plaisir, t'as bien raison. Je t'ai toujours rien envoyé parce que moi-même, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Mais ah merde, non, j'ai effacé. Je t'ai pas envoyé le live crossout. Ah, je t'ai pas envoyé le live crossout qu'elle voulait. Bon, de toute façon, je fais que m'énerver, c'était chiant. Et toi, ça t'aurait pu, toi. Petit malin que tu es. Mais je t'enverrai celui d'aujourd'hui, c'est très bien passé. Je t'enverrai celui d'aujourd'hui. Tu auras des belles games comme ça. De toute façon, je vais prendre l'habitude. Hein. Là, cette semaine, c'est un peu délicat parce que j'avais ma caisse en panne et tout ça. C'était, j'avais vraiment très peu de temps. Mais... Et je vais prendre l'habitude de te les envoyer. Bon, Cassos. Je pense que là, on y a passé assez de temps. On va pas commencer à ramasser les cailloux un par un non plus. Et voilà, on a un slot de libre. Vite fait les gars, vite fait. On a combien? Je suis à 361. Il faut que j'en prenne 9. Lui, il s'enferme avec moi. Il est complètement fou, quoi. Il n'a pas sa vie. Tout de suite, non, je peux pas regarder tout de suite. Ah, t'inquiète, le grand jour, ton moment de gloire sonnera le jour où la vidéo sera postée. Et là, t'auras des commentaires et t'auras des retours. Tu seras toujours inquiet de voir quel est l'impact de ton travail sur la chaîne. Mais t'inquiète pas, ce jour arrivera très prochainement. 55. Allez, on te casse. Pas de place pour les champis. Bien sûr que je te dirai ce que j'en pense. Ah, mais le nombre de mobs qu'on a tués ici, quoi. Pour le coup qu'il a pris, par contre. Ok, yes, je suis assez content de ce petit voyage. Cassos. Let's go baby, on continue l'aventure. Et en plus, j'ai envie de vous dire que, mis à part le fait qu'il faut qu'on trouve pas mal d'argent, de 1, on va pouvoir faire tout ce qui est son brassier, parce que ça y est, on a fait enfin du lin et tout ça. Et de 2, on en est vraiment à trouver un emplacement pour notre base. Et sincèrement, les gars... Je pense qu'on va le faire ici. Là, ça fait une petite crique, là, vraiment sympa. Ça fait une grande baie. Mais c'est immense, hein. Avec là, une petite crique rectangulaire où j'ai bien envie d'installer comme un port directement. Donc, je pense que ce sera peut-être possible qu'on fasse ça. Et ben, je te contacte quand j'ai fini le live. Allez, rentre à la maison. Et là, au final, j'aurai tout vu, quoi, avec mon collègue. Mais par contre, là, j'ai pas d'autres montagnes visibles que j'ai pas découvertes. Qui sont à peu près de la maison. Ouais, peut-être que là. C'est quoi ça? Peut-être que là, il y a une montagne. Yes.
carrément, je dois 30 des services, quoi. On aura tout vu sur Twitch. Ah mais tiens. J'ai commencé le jeu avec un pote il y a 2 jours. Tu donnerais quoi comme conseil pour bien commencer? Récolter, gérer ta bouffe comme jamais. Parce qu'en fait, quand tu vas monter en tiers, toutes les baies que tu ramasses, les framboises et tout, elles vont te servir à faire des plats. Et en fait, dans ce jeu, il faut que tu prépares tes expéditions le plus possible. C'est-à-dire, faut rien laisser au hasard. Faut avoir le max d'armes, le max de buff, le max de potions, le max de bouffe. Te reposer, avoir ta maison où tu as du confort pour avoir le buff de repos. Au max préparer tes expéditions. Et ce que je te conseille, c'est de gérer ta bouffe à bloc, d'en consommer le moins possible. Et si tu veux t'amuser à build et tout, à rester à la base, de rien manger, de garder la bouffe que quand on a besoin, quand il y a des monstres, et de bouffer le moins possible de framboises. Essayez vite de trouver vite des ruches que tu trouves dans les maisons abandonnées, et de bouffer du miel, et les champignons aussi que tu trouves assez vite. Parce que ça, tu peux que les récolter. Donc tu as beaucoup de déplacés. Moi, je te conseillerais de gérer et de faire des coffres entiers de framboises. Et je te conseillerais dès le début de noter sur la carte partout où il y a des spots avec de la framboise. Tu vois, pour noter sur la carte, tu choisis ça et tu fais double-clic. Tu mets un petit F et boum, tu sais que là, il y a des framboises et tu pourras toujours y revenir. Les framboises, c'est la vie, mon gars. Voilà. Moi, je me suis installé près du premier boss. Après, malheureusement, tous les boss, ils étaient super loin. Voilà ce que je peux te dire, plus ou moins. Je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont des conseils. Ah ouais, ça, comme un cochon, tu peux y aller, hein, sur les framboises, sans jamais t'arrêter. Et ramasser le max de champi, le max de framboises, d'en stocker le plus possible. De stocker vraiment, de revenir toujours avec ton inventaire plein, de revenir avec du caillou, du bois, de stocker vraiment en avance un max de trucs à chaque fois que tu te déplaces. Faire la charrette le plus vite possible. Aïe aïe aïe, on va presque avoir le banc de face pour l'instant. En avance, c'est cool. Je sais pas si ça va durer longtemps cette histoire. Pour l'instant, ça va. C'est juste, mais ça va. Bien faire le tour de tes prairies, prendre le max de peau. Et en faisant ça, bien repérer tous tes spots de nourriture. Tu vois, moi j'ai commencé à le faire, mais trop tard. Tu vois, framboise, à côté de ma base. Sur la grosse île aussi, là où je suis allé, j'en ai mis quelques-unes, là où j'étais revenu. C'est le green mat. Enfin, c'est cool, on a encore du vent là, je sais pas comment on fait. Si je tourne un peu plus, on en a plus. Eh bien les amis, on va rentrer à la rame. Merci Tiro, bienvenue. J'ai pas commencé la nouvelle base, mais j'ai trouvé certainement un emplacement qui va être peut-être ici. Comme ça, on sera prêt à partir vers le reste de la carte. On ira fouiller tout ça dans les prochains biomes. Enfin, dans les prochaines mises à jour. Ça va, on s'est pas trop tapé le vent de face. Je suis content. Et en plus, maintenant, on a un pouvoir pour avoir le vent dans le dos. Qu'on pourra aller chercher, d'ailleurs. Parce qu'on va devoir repartir pour aller à... Bon, quoique, non. Pas forcément. Ouais, ben, c'est malheureusement trop demandé, Moon. Il n'y a personne qui va le faire. Déjà, ils ont du mal à renommer les clips. Par contre, je peux noter... je sais pas si je peux changer les clips pour faire... au lieu de mettre les plus vus, de mettre les...
Mais ça, c'est pas maintenant qu'il faut voir ça, hein, malheureusement. J'ai peu de temps, je suis désolé, mais c'est pas pendant les lives qu'on peut voir ça. Est-ce que je peux modeler ma chaîne? Et normalement, en modelant la chaîne, je peux mettre en avant les clips par ordre chronologique. Je peux rajouter une rubrique, modifier les vidéos. Attends, ajouter une section. Non, non, là c'est sur Twitch, c'est pour par rapport à la modification de ma chaîne. Faut que je trouve comment mettre un nouveau panneau. Vidéo, annuler les changements, publier, suivre, ajouter une section. Chercher ou créer une collection, mais je veux pas ajouter la collection. Diffusion récente, clip populaire, mise en ligne, toutes les vidéos. Ah, c'est chiant, je sais pas où c'est. Modifier les vidéos, ça m'amène pas au bon endroit. Je peux pas voir ça maintenant. Je peux pas voir ça maintenant. Mais je devrais pouvoir mettre une section avec tous les clips par ordre alphabet, par ordre de chronologique. Je pense que ça peut être possible. Normalement, je devrais pouvoir le trouver. Hein. C'est bizarre que j'ai pas trouvé là. On n'est pas arrivé. On va regarder encore un peu. Non, non, mais on arrive là. Je peux pas. On arrive. Welcome home. On revient avec plein de matos en plus. J'aurais dû faire une petite marche arrière des familles pour entrer. C'est pas si grave. Bon, les amis, maintenant, comme prévu, c'est parti. C'est parti pour le rangement. Alors ici, tout, je me suis tout fait péter ici. Par les gros trolls qui sont arrivés. Et j'ai des squelettes qui viennent tout le temps maintenant, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va vite dormir. Allons dormir. On va faire comme si on n'avait rien vu. Ah, donc j'ai plus de ruches, j'ai plus rien ici. J'espère que je peux dormir. Jour 203. De cette aventure. Eh bien, on peut plus dormir maintenant, puisqu'il fait jour. T'inquiète, je regarde ça. Cette charrette m'emmerde terriblement, c'est mon pote qui l'a coincé là, regardez ce qu'il a fait quoi. Je peux plus la sortir. Je peux plus la sortir, regardez ça. Alors voilà, on a des gros problèmes de rangement maintenant. Il va falloir vite aller vers une troisième base les gars. Vite. On va déjà faire ça, on va essayer de ranger tout le reste.
Ok, c'est parti. Boum. 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 Regardez ce que j'ai commencé à me cuisiner de bon. Oh le bon boudin! Miam 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 miam! Oh j'ai plein de farine, dis donc. Il me tarde d'être organisé en stuff. J'en peux plus là de vivre dans le bordel. Je le vis tellement mal. Je le vis mal. Ok, ça on garde. Ça, on va les poser, mais on n'a plus la place. C'est l'enfer de la place. Le bateau est bien de ce côté. La stamina dans le jeu, c'est vraiment un truc casse-couille, quoi. De ne plus pouvoir sauter quand même. On m'a pété mon bout de bouée. Et je vais devoir faire un nouveau coffre, on est d'accord, hein. Pas le choix. Bon, on va stocker plein de choses de plus ici. Parce que c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Ah, on se sent mieux. Oh mais j'en ai marre de ramasser ces trucs des mobs, c'est un enfer quoi. La fleur de merde, le truc comme ça. Ça y est, c'est parti, on va se plaindre. Voilà, un caillou, un truc comme ça, une fleur, un bout de bois, une merde comme ça. Ça te remplit ton inventaire. Yes, on commence à être riche de cette ressource. Là j'ai encore de la pointe. Là on avait oublié de ranger ce truc là, évidemment. Je vous emmerde. Paf. Automatique. Yes, ensuite. Pas fini. On a combien? 122. 222. 522. 372. 452. Alors ça j'en ai partout je crois aussi. Alors ça on va le prendre, ça on le laisse, non ça on va le prendre, ça on va le prendre, on va laisser que le métal.
On va aller le mettre ici. On a que le fer. Voilà, là on en a déjà. Bam. Voilà, ça c'est de l'étain. On n'en a plus qu'un. On n'a plus qu'un seul d'argent aussi. Ok, ça progresse. Ça progresse. Ce rangement. Les pointes. Alors tout ce qui est lastière, je vais les sortir de là. Pas grand chose. Un jour on pourra repartir faire un petit tour au marchand. Ah ouais. Ah ouais. J'ai oublié que j'avais toutes ces pierres là. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça, ça va là-bas. À chaque fois, ma cape me passe devant quand je passe ici. C'est trop bizarre. À chaque fois, avec le lag, ça bloque la cape, c'est trop chelou. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Oh là là, ils m'ont tout cassé. Mon bot de quoi? Ouais, il y a un bot, oui. C'est vrai que mon bot marche plus, mais ça aussi, ça marcherait plus. Je comprends plus rien. C'est vrai qu'il n'y a pas les messages du bot. Ah, c'est vraiment pas le moment qu'on prenne ça. Déjà, j'ai réussi à faire marcher le stream aujourd'hui. C'est déjà un bon début. Vu que tout avait sauté. Voilà, on va plus s'occuper de ça. On va faire un max de charbon et il va falloir en faire plus encore. Il va falloir aller farmer du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. Yes! Tout est vidé. On est prêt à repartir pour trouver une base. Ce soir, ça va être l'aventure parce que moi, là, je vais prendre une pause pour aller manger. Mais là, ça va être l'aventure après. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va repartir là. On va installer un portail ici. Un portail qui va nous ramener à la base. Une fois qu'on aura fait ça, je pourrais enlever celui-là. Je pourrais refaire les champs de ce côté-là. On pourra commencer la base ici. Sachant que là, il y a de la forêt pas trop loin. Mais sinon, il faudra faire des allers-retours vers une forêt pour aller chercher du bois. On mettra un portail pour le bois, un portail pour la pierre qu'on déplacera. On va farmer comme des porcs. Et on va commencer à faire des méga fondations. Si ce soir, on commence les méga fondations, c'est déjà très très bien. Mais c'est pas dit.
Graphiquement, c'est très léger hein, pour tous les PC. C'est très bien codé. Donc je pense que physiquement parlant, le jeu il va pas bouger, à moins qu'il s'améliore. Mais bon. C'est peut-être pas la version finale des graphismes. Hein. Ça évolue toujours. Hein. J'en sais rien. Yes, on en a 22. On peut enfin crafter un truc. On peut commencer les armures et tout ça. Et ça, faudra en faire au moins deux dans la future base. On fera deux forges, même trois trucs comme ça, mais bon, faudra avoir tellement de bois. Et bon, après, quand on fera du métal, ça ira beaucoup plus vite. Mais est-ce qu'on en aura vraiment besoin? Est-ce que la base va être plutôt décorative ou plutôt fonctionnelle? Je pense qu'elle sera plus décorative avec le minimum, mais ce sera pas une base de gros farmer. Ce sera une petite base belle, qui essaiera d'en imposer un peu. Mais qui sera pas forcément ultra efficace en termes de... d'efficacité. Yes, bon, et ben très bien, on s'est bien préparé. YouTube, des petits bisous, à très vite pour de nouvelles aventures.